La conférence de presse m'a présenté sous un rapport d'analyse que nous faisons sous émission carte, ça ou les cartes dermalogue dans le pays et en complicité frauduleuse qui existait entre le bureau des Nations Unies et le pouvoir exécutif représenté par le président Jovenel Moïse. Nous songeons que dans le Sénat de la République, nous avons déjà fait un premier rapport sous question 4 ça. Et nous avons dit que 4 là, il était fait de façon illégale, il était violé la loi qui était en vigueur, le SAA, la loi 2005 là. Nous avons dit que le contrat était mal passé, il était violé la loi passation marché, et il était violé la constitution 87 là. Ça qui fait que le rapport qui était sorti dans le Sénat a démontré déjà que le cadre des malogues là a un pile problème. Et nous voyons que le président Jovenel Moïse, en 2020, a pris un décret qu'il a dû prendre. Alors, projet de loi qu'il a dû déposer dans le Sénat depuis bien avant. Les bons décrets pour essayer de légaliser Katsaha, qui n'est pas légal puisque Katsaha l'était fait sans pas de gagner loi, puisque le décret qui était en vigueur, il n'y a pas de respecté, il n'y a pas de correspondre à la nouvelle 4 que vous avez fait. Je dis à nous faisons l'autre rapport d'analyse sur la question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis à nous gagnons position politique non comme parti de l'opposition qui dit que mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que président Jovenel pas le droit ni changer constitution ni faire élection, non seulement constitution pas le droit ça mais élection mandat a fini, il pas le droit faire. Mais en plus de ça nous fait un rapport technique sur question 4 là. Parce que je dis, le président a bénéficié de complicité internationale là, en particulier BINU, sur question 4 là. Comment complicité a-t-il? Complicité a été deux phases. Première phase là, c'est que l'heure où tu as fait 4 ça, il était illégal, contre la patien, il était contre la constitution, il était annulé. Toute archive, toute donnée de 2006 à 2015 que l'ONU te mette sous pied pour te faire un cadre fiable et fiable, l'ONU pas jamais dit rien, li pas jamais dénoncé question. Ça, c'était première phase de complicité. Puisque si mission Nations Unies en Haïti de 2006 à 2015 te déployé, yo te dépensé comme pour que nous t'es arrivé, t'es gon carte identité qui t'es fiable, qui t'es viable, et que mon président qui vient annuler tout donné ça, il monte en l'autre carte sans parti politique, sans société civile là, c'est déjà une première complicité puisque l'ONU n'a pas dénoncé ça. Maintenant, je vais parler de nouvelle complicité ça, deuxième phase là. Deuxième phase là, c'est que l'ONU régulièrement toujours informé Nations Unies, BINU, sous nombre de cartes, sous évolution émission cartes dans le pays. Le 19 décembre 2020, t'as des billets date là, le 19 décembre 2020, c'est-à-dire mois dernier, l'ONU font réunion avec un représentant BINU, côté que Ils ont annoncé BINU que gagnait 3 500 000 cas que ont fait jusqu'au mois de décembre et gagnait environ 2 millions qui distribuent. C'est ça l'état de la situation au mois de décembre 2020. Et que au 25 avril, là, ils ont projeté
pour yo ta fait référendum là. L'ONU a privé fait environ 4,2 millions cartes et d'après toute prévision yo, c'est 3 millions y a distribué. À nous reprendre. Le 19 décembre 2020, réunion faite, côté que l'ONU informé BINU que pour le moment, il y a 3 500 000 cartes qui fait. Il y a environ 2 millions qui distribuent. Nous connaissons l'ONU qui a projeté 2 jours pour distribuer 4. Nous connaissons que bah, ça, eh bien, pas de même 100 000 cartes qui débaillent. L'ONU dit, l'ONU, ONI, il dit que le 25 avril, il y a 4 200 000 cartes que l'a fait d'après prévision, si tout va être respecté, et que c'est 3 millions qu'après. Et que d'après prévision, l'ONU, c'est jusqu'en janvier 2022 que tout le monde est arrivé à 4 dans la main. Si aucun bébé brut là. Et nous connaissons, le cartes qui ont fini. Produit, le cartes yon fin produit, genyen liste électorale générale la pour yon ta fait. Et liste ça, fol prêt, d'après décret électoral yon, 3 mois avant date élection. Ça veut dire que, d'après prévision l'ONU, eh bien, c'est en 2022, si ta gon élection pour ta fait, ça veut dire que tout le monde ta genyen un document nan men yon. Réunion ça a fait le 19 décembre. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, li d'accord que yo fixé un référendum sous cap sa yo, alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui a gagné. Li d'accord pour fixer un référendum, malgré que 7 millions d'électeurs n'ont pas gagné. Li d'accord au calendrier électoral, d'ailleurs, li mette on conseille travail avec CEP, ce que dans l'opposition nous a dénoncé, pour faire des élections, alors que même si on a le même rite là, c'est en janvier 2022 que citoyens ont arrivé à cap. Ça veut dire qui ça? Nous déjà connaissons projet Jovenel Moïse de dictature et bien population en cap campé contre lui. Mais cependant, il y a le BINU pour nous dénoncer aujourd'hui, parce que le BINU, qui a une mission en Haïti pour que la sécurité, promouvoir les droits de l'homme, alors que droit à l'identité, c'est un premier droit que eh bien, nous avons à l'intérieur des droits de l'homme, aujourd'hui, BINU a accepté que les gens ne sont pas des cadres et que nous sommes d'accord pour faire appel au vote. Non seulement votre salité illégale, parce que mandat président fini, mais le d'accord, il met un conseiller de travail avec eux, alors que tout citoyen n'a pas de câble. Donc, moi, je pense que je dis, l'important pour nous faire un rapport, ça, pour nous faire un rapport par tous les parlements alliés des pays amis, pour que vous connaissiez exactement qui ça, Nations Unies, a fait en Haïti. Et qui collaboration que le poté dans l'établissement dictature au lieu de faire mission que le Conseil de sécurité à Bali, yon nan aspect yo, c'est promouvoir les institutions haïtiennes et les droits de l'homme. Et nous arrivons dans ce sens-là, conclut que tout ça qu'a fait au niveau du BINU, c'est pour supporter. Établissement dictature, alors que techniquement, sans la question politique, BINU n'a pas qu'à appuyer au projet de vote, d'élection ou de n'importe quoi, sans que le pas sûr que nous arrivions côté tout citoyen, t'a gagné quand. En 2004-2006, l'élection était reportée plusieurs fois parce que quatre yo beaucoup disponibles. Et c'est Nations Unies qui était avec l'OEA, mettait tout le système là en branle, allait dans le marché, mettait plusieurs machines dehors, déployait toute force ministère pour tout le monde.
et élection renvoyée parce que justement carte yo pour coup disponible. Jodi a nous est de ministre à binu qui ont changement de cap. Est-ce que parce que Haïti son pays pauvre, binu changer notion droit de l'homme yo, li changer notion droit à l'identité dans pays a et que jodi a li important à côté de questions légales, questions politiques, que au niveau technique, nous dénoncer comportement binu, nous dénoncer comportement grande partie de la communauté internationale là qui associé à président Jovenel pour faire mascarade. Parce que vous connaissez que dès que processus là est illégal, est illégitime, il va mener beaucoup plus de problèmes dans le pays. Et responsabilité, yo, nan éviter problème dans les grands parce que jodia c'est binu qui tournait principal allié président Jovenel Moïse dans projet macabre ça côté que haïtien il pas besoin gagner il pas gagne carte et a programmé élection on nous garder on bagaille qui rivé dans décret qui sorti sur question référendum là décret que nous dénoncer qui est illégal. Yo dit ou gen droit à voter à passeport. Ou gen droit à voter à carte identification nationale. Ou gen droit à voter à licence. Est-ce que y a bien plusieurs listes électorales? On liste électorale que service immigration a bail, on liste électorale que circulation a bail, on liste que l'ONI a bail. Ou du moins si c'est un seul liste yo dit qu'ap gagner et moun ki pa gen kat yo et 4 millions de moun ki pa gen kat yo, nous tous déjà connaît que président Jovenel gen un projet dictatorial que tout peuple a dénoncé, mais à savoir que binu endosse question ça pour toute élection crédible et inclusif dans tout pays. Gen deux bagay pou gen dans tout pays démocratique: une liste électorale générale et une carte électorale qui est un document unique, qui est un document électoral. Non seulement pas bien liste électorale ça, général là, parce que c'est moitié monde cap qui cap, document électoral là qui c'est cap là, a bien moitié monde qui va gagner. Et il va permettre que des monde à voter que qui va gagner ni cap sous deux documents, alors que même président ça a été dit à partir de 26 octobre, pas aucun document. Pas de aucun document qui a accepté dans le pays, hein, monsieur les journalistes, que carte identification unique là. Pendant qu'il dit ça dans le décret, et décret ça qui est toujours valable, il dit dans le référendum là, il a pris un passeport, il a pris une licence. Pendant que il dit que il a pris, c'est pour encore une fois plus de l'illégalité, l'inconstitutionnalité, illégitimité de processus là, yo vinn ajouter en fraude massif. Et jodi a, c'est ça que le BINU supporte en Haïti. Et nous allons voir document ça au Congrès américain, à tous les parlements étrangers, à 10 sénateurs qui l'ont, à la Cour des comptes, pour que nous montrer que la question de la carte, eh bien, n'est pas possible dans l'année 2021. Et que si tu as un rite de carte qui travaille, c'est en janvier 2022. Et là, ça a fait un audit. Parce que nous connaissons tout problème qui est dans le cas ça. Faut faire un audit. Puis, ouais, que est-ce que base de données ça y est, c'est dans la partie politique PHTK. Est-ce que base de données ça y est fiable? Est-ce que base de données ça y est fiable? Parce que y a un pile problème. Et moi, je pense que nous pas qu'à prendre ça. Parce que Haïtien pas un peuple qui est inférieur. Haïtien pas un peuple qui est sous-peuple. Nous sommes un peuple qui, jodi a, eh bien, il y a un droit qui, je dis, a principe démocratique qui doit appliquer, même gens qui appliquent dans l'autre pays, et Nations Unies n'ont pas supporté ça dans le pays d'Haïti, pendant que les papes supportent dans l'autre pays, pendant que Mme Laline a la pour un bail personnel, côté la avancé dans le projet antidémocratique, quels que soient les principes des Nations Unies. Merci. Conseil consultatif là, ça y est, donc illégal. Moi, je pensais que. Il rentre dans puisque moi-même, c'est même pas grave que je dis tout. Le président, bon,
en démocratie, le maître mot, c'est le dialogue. Le maître mot, c'est le dialogue, c'est la fin de mandat. Pour un dialogue pour qu'il y ait un départ ordonné le 7 février. Pour un dialogue pour un départ ordonné le 7 février 2019. Je dis que le président Jovenel n'est pas d'accord là-bas, mais quand il y a des gens qui estiment que le régime qui a fait ça est d'accord là-bas, et dans ce sens, je estime que c'est sûr. La politique évolue. La politique a évolué. Et vous pensez que je dis, par vos bonnes informations que vous vérifiez, le président Jovenel Moïse parlait à sénateur, demandait de voter sénateur Sildo. Comment est arrivé en nous dans le Sénat? Écoutez, moi, quoi que je dis, dans ça, dans vivre là, la démocratie, c'est le renforcement des institutions. Toutes les institutions crassées, moi-même, depuis mon institution qui a un petit souffle, moi-même, moi, pour libre, parce que je suis en démocratie, donc je suis pour le renforcement des institutions. Constitutionnellement, c'est une possibilité pour cette situation, je sais privé à répéter. Président, oui. Écoutez, nous avons une situation longtemps qui est différente, nous avons une situation différente, mais moi je pense que je dis là, opposition, d'après toute action démocratique pour arriver à la transition démocratique. Si toutefois 7 février, président va parler, c'est tout démocrate doit pour dialogue. Moi, je suis pour le dialogue, pour un débat ordonné le 7 février 2021. Tout ça que, tout ça que la police doit faire pour que limiter l'ordre, la sécurité, moi,